Les mentalités de notre société, c'est difficile de ne pas les regretter. Je m'imagine face à mes enfants, qu'est-ce que je pourrais leur raconter? Dire qu'une histoire de loup-garou, parce qu'ici la victime c'est nous, mes filles et fils. Je vous attends, mais j'ai peur de manquer d'arguments pour vous expliquer ce qui se passe autour de vous, pour vous éclairer sur ce qui se passe dans ce monde de fous. En effet, les gens ne sourient pas. C'est pas un compte de plus, tu baisses tes bras, tu ne liras pas. À droite, à gauche, derrière, devant, personne ne bouge, y'a que des morts vivants. C'est juste une fiction, fiction pour nos filles et fils. Ton dans ce monde en manque d'affection, donc place à la réflexion. Fiction, fiction pour nos filles et fils. Ton dans ce monde en manque d'affection, donc place à la réflexion. Qu'est-ce que je peux dire qu'une fois de plus c'est le regard de celle que j'aime qui me fait fondre. Que je m'aperçois que le monde s'effondre et que c'est ça qui me fait pondre. Des textes durs comme l'économie d'un pays du tiers monde. Que quand j'aurai des gosses je saurai pas quoi répondre aux questions qu'ils poseront sur le monde dans lequel nous vivons. Est-ce que je leur dirai qu'ils sont plongés dans une arène où la thune est la reine et les requins aussi nombreux que les femmes dans un harem? Est-ce que je briserai leurs illusions dès que possible? Est-ce que je leur dirai que le Père Noël est pédophile? Que Dieu n'existe pas et qu'on est seul sur terre? Que pourtant pour lui des hommes s'envoient au cimetière? Que cet homme crève de faim car personne ne sait qu'il existe? Et qu'on prend pas la main qu'il tend car le bonheur est égoïste? Ils me demanderont c'est quoi la vie, j'en sais rien. L'existence est faite d'attente, certains attendent le grand love de leur vie. La plupart d'amasser des liasses, de lover, d'autres attendent de crever. Ils veulent une trêve car ils n'arrivent plus à rêver. Entre ceux-là t'as la femme battue qui rêve d'un bouquet de roses. Et le camé qui attend sa dose, tous les smicards pour qui c'est tous les jours la même chose. Toutes les poufias qui prennent les mêmes poses. Mais bon là c'est Moïse qui prend le dessus avec ses idées sombres. À présent je vois mon fils qui s'étonne et me questionne. Papa, pourquoi ces deux hommes s'embrassent comme maman et toi? Mais parce que c'est leur droit, surtout leur choix. Surtout n'écoute pas ceux qui disent que c'est contre nature tout ça. On prendra pour un gars marginal si t'écoutes reggae, raga, hip-hop et tout. Cette bombe de balle, oui c'est comme ça. Au niveau de ton garçon, y'a peu de bonnes vibrations. Endormi la population, faudra mettre des coups de pression. Y'a trop de pantins qu'on appelle staff, les vagues festins et beaucoup de stars. La mode rien à voir, trop de fossiles. Sa classe est rendue type hostile, mais c'est une fiction. Fiction pour nos filles et fils. Ton dans ce monde on manque d'affection, donc place à la réflexion. Fiction, fiction pour nos filles et fils. Ton dans ce monde on manque d'affection, donc place à la réflexion. Attends avant de te brûler les ailes. Impatient petit frère, tu n'es que débutant dans cette vie de misère, débutant dans cette drôle de galère. Ici c'est un pour tous et chacun pour soi. Il va s'agir pour toi de grandir comme un soldat, éviter tous les coups bas et tous les bons bocats, esquiver toutes choses impures mais t'empêcher d'être un gros dur. Attends avant de te brûler les ailes. Attends, ne sois pas si impatient petit frère.